Salut à tous, le live commence dans à peu près 5 minutes, donc bienvenue à ceux qui vont regarder. Donc patientez encore un tout petit peu, dans 5 minutes ça commence. Je parlerai pas beaucoup, je commenterai juste pour comparer avec une Until Dawn, Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, les autres streams que j'ai fait, mais je parlerai vraiment un minimum pour vous faire profiter du truc. Et moi, mon but, c'est de les tous les sauver, évidemment, et d'explorer à fond le jeu, hein, tous les recoins, prendre mon temps tranquillou. Hein. Je suis pas un mec qui fonce. Voilà. Allez, à tout de suite, dans 5 minutes, on commence. À certains moments de la nuit, des opportunités se présenteront, vous donnant une chance de prendre la situation en main. Notez cependant qu'il ne s'agit que de suggestions. Rien ne vous oblige à agir. D'ailleurs, parfois, il ne vaut mieux pas. Hackett Quarry regorge de tours et de détours, de chemins secrets et de merveilles inexplorées. À chacun de vos pas, vous avancez sur votre propre voie, avec tous les risques qu'elle comporte.
Il y aura des moments au cours du séjour où vous verrez que les décisions prises, la voie empruntée, auraient pu être autrement. À Ketsuari, il n'existe pas de mauvais choix. Mais sachez que certaines voies sont plus dangereuses que d'autres. Bon, là, je fais un petit test. Ok, c'est bon. On va pouvoir commencer. Malheureusement, je préviens, on peut pas modifier la difficulté des QTE ou quoi. J'aurais bien voulu qu'ils soient plus difficiles, mais... Pourquoi t'as coupé le son ? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est Poli ? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Prenez le temps d'écouter ce qui suit, car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Ketsuari. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention, à Ketsuari peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Attention! Bravo, chérie, joli réflexe! Merci. Bah, l'état des routes s'arrange pas ici. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Oh, c'est vrai, c'est là qu'on va. J'ai arrêté de suivre depuis 300 km. 300 km, hein? Ouais. Tu sais, Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles ? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse ?
C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle à force de soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Ah, voilà. C'est quoi ça? Ouais, rigole. Je suis sérieux, pourquoi tu prends pas la carte normale? C'est ça, la carte normale. Celle du téléphone. On capte pas. Évidemment. Bon, voyons voir alors. On est... Je crois qu'ils marquent pas les colos sur les cartes. Et t'as pas vu de panneau? Hé, regarde la route! Wow! Tu vas bien? Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse? On a renversé quelqu'un? Je sais pas. On est passé près, vraiment près, mais peut-être qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est foutue. C'est peut-être pas si grave que ça? Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils d'encore? Ouais, bouge pas. C'est pas si grave. Ma mère va me tuer. Tu m'as rien dit. Ah, merci. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici.
Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait prendre feu. Alors, imagine-toi assise devant un grand radiateur. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Tu vas où ? Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok ? J'ai presque fini. Allez, Max, dépêche-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur qu'il y ait une personne là-bas. T'es sérieuse ? Oui, elle est peut-être blessée, je sais pas. Je crois qu'on a percuté personne. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Tu crois qu'on l'a renversé ? Je veux juste vérifier. Ok. D'accord. Mais va pas trop loin, ok ? Sois prudente. Ouais, ouais. Ok. Bonne chance à toi. Qu'est-ce que c'est ? Silas, l'enfant chien ? Merde.
C'est trop chelou. J'ai fait exprès. Hein. Hey, tu vas bien? Je voulais voir le flic. Qu'est-ce que t'as, enfin? Parle-moi, ça va? Lui est sur le visage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Non, non. Il y avait quelque chose là-bas. Comme. Il y avait.
t'ai pris. Chérie, tout va bien. Respire calmement. Respire. Tout va bien. C'est la forêt. T'inquiète. Il y a plein de trucs ici. Ça peut être flippant. Écoute-moi, surtout Max. Si t'es blessé. On peut partir d'ici, s'il te plaît. Bien sûr, ouais, viens. Okay. On y va. Ouais, écoute ça. Elle ronronne comme un chat. Max, allez! T'inquiète, on dégage d'ici. Désolé, je suis pas mal revenu en arrière au début, mais... Max! C'est parce que j'ai déjà fait le prologue et je voulais voir s'il y avait peut-être un truc caché en revenant en arrière. S'il te plaît, j'essaie de nous sortir d'ici, mais c'est... Arrête, putain! Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. Tout va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain de merde! Oh, putain! Oh, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui? L'un de vous est blessé? Non, enfin, elle s'est cognée la tête. À peine, c'est juste une petite bosse. En fait, je sens plus rien. La bosse, je veux dire, pas la tête. Je vais bien. On va bien, vraiment. On est juste un peu secoués. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé ? Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... On s'est retrouvés là. Quelque chose, vous dites ? Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite et elle a disparu. Elle ? Vous avez percuté quelqu'un ? Non, mon Dieu, non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, c'est que je ne pense pas. Je crois pas. Monsieur ? Laissez tourner le moteur. Monsieur ? J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêtée ? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance. Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez. Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Vous n'atteindrez pas Hackett Squarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord ? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous ? Sauf votre respect, monsieur, pourquoi on peut pas aller à Hackett Squarry ? Parce que je vous ai dit d'aller au motel. Monsieur, je comprends pas, où est le problème ? Madame, veuillez sortir du véhicule. Wow. Quoi ? Pourquoi ? Monsieur, elle a rien fait de mal. Madame, je vous demande de bien vouloir sortir du véhicule. J'aimerais vous montrer l'itinéraire sur votre carte. Ok. Bien sûr. Vous, restez dans le véhicule. C'est bon, je m'en occupe. D'accord.
Ok. Alors, on est... à peu près là. Le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Quarry déjà ? Eh bien, je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Restez tranquille. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, je vais faire exprès de laisser le slip me nettoyer tranquille. Le visage. C'est en fait, je pense. C'est un. Je pense qu'en fait, c'est un gentil, le flic. Ils nous l'introduisent comme un mec bizarre, un peu comme dans Until Dawn. Mais je pense qu'en fait, c'est pas lui la vraie menace. Vous êtes comme neuf. Remontez dans le véhicule, madame. Le motel Harbinger. Restez sur la route. Attendez, et s'il y a quelqu'un par ici ? Oui, je vais voir. Bonne soirée. Pour l'instant, le prologue est vraiment exactement 100% pareil que... Bah, que le prologue de la version pourquoi DC qu'on a eu sur Series. Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave. Et les traces qu'il avait là, tu crois que... c'était du sang ? C'était... un plaisir. Ah merde. Très bien, on va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir, merci bien. C'est clair, alors où est le motel ? Ok, bon, on est ici, mm-hmm. Et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. C'est quoi ? Hackett's Quarry. Comment t'as fait ? Ah, je me suis arrangé pour qu'il me T'as assuré. Attends, je fais un petit test audio avec le micro pour voir. D'aller au motel. Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant ? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok ? Ravi de l'entendre. Madame ? Non, mais je te jure ! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame ? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Hmm ? Quoi ? Bah, 20 ans, c'est... un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit.
Bon, est-ce que je sauve Max ou pas? Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message? Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est ça que ça change. Eh oh! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir? Enfin, y'a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd. Pourquoi y aurait une épave? Je vais dans la voiture. Max, allez. Max, sois pas con. Alors attendez, le stream va se couper 2 secondes le temps que j'ai dans les paramètres pour baisser un peu le son du jeu comparé à ma voix, parce que quand il parle, on m'entend vraiment pas. Donc je vais un peu le monter. Pour 2 secondes, reparti. Bon, je fais un petit test en live pour voir. C'est pas évident de régler bien son micro. Je fais un petit test en live pour voir. Ouais, ça va. Là, ce qui est marrant de voir en fait, c'est que tout est éteint, hein, on est d'accord. Et voilà. Et hop, au bout d'un moment, ça s'allume. Que tu tapes à la porte ou pas. Donc il y a forcément quelqu'un. Ah, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de toute façon, vu que il va se passer quelque chose. Alors si on regarde bien d'ailleurs, j'avais bien regardé. Si on regarde bien ici, non... alors il faut avoir le bon angle. Mais on peut voir une. On croit que c'est un livre, mais en fait non, c'est une planchette. C'est un truc de Ouija. Parce que il y a les. On voit les lettres sur la table et on voit la petite planchette sous le livre juste à côté quoi, à côté de la tasse. Donc il y aura peut-être une session de Ouija entre un peu à la Until Dawn d'ailleurs. Franchement le jeu est magnifique quoi, vraiment en tout cas sur console sur cette génération là current gen. C'est vraiment un gros pas comparé à Until Dawn. Alors là, par exemple, la caméra est fixe. Hein, je fais juste bouger en même temps. Je ne fais pas tourner la caméra. Mais la plupart du temps, on peut. Y a quelqu'un ici? Qu'est-ce que je fais? J'hésite vraiment. Est-ce que je sauve Max, sachant qu'il aura été mordu par quelque chose, qui est peut-être infectieux, qui va nous revenir nous hanter plus tard, quoi. Et on va peut-être avoir faire un Max monstre, quoi. Je pense savoir ce que c'est déjà, mais je vais pas spoiler. Où est-ce qu'on laisse Max dans la cave se faire attaquer et est-ce que j'essaye pas de le sauver carrément? Bonne question. Je pense que je vais l'abandonner. C'est pas cool, normalement j'aurais essayé de le sauver. Mais je pense que c'est une fausse bonne idée d'essayer de le sauver là. Je sais pas pourquoi. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Sympa. Ça c'est pas, c'est bizarre. Hein. Tu vas dans ce un camp de vacances plus fort. Pour ado et t'as ça comme moto sur le camp. Je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. Il y a un petit détail sur ce van ou cette voiture. En fait, là. Voilà, il n'y a que 2 places. Après, bon, tu peux quand même. Il y a 4 places, si quand même. Mais t'as pas de portière
arrière, apparemment. Et apparemment, il va être question... Il est possible, apparemment, de sauter carrément tout le jeu si on arrive à récupérer des pièces du van pour pouvoir se barrer. Et il paraît qu'on peut vraiment... Il y a une fin spéciale, en fait, un peu unique, où on peut couper... On peut finir le jeu, genre, en une heure si on trouve les pièces du van, un truc de ce genre, quoi. Ce qui paraît étonnant, mais... C'est ce que les développeurs ont dit, hein. Il y a 186 fins différentes, donc... Hey, t'es prête à y aller? On ne parle pas, ce connard. Allez, c'est la meuf qui dirige, hein. Il a aucune initiative, le tien. Bon, je pense pas que les boutons smashing ça sert pour chercher des objets parce qu'apparemment ce jeu a l'air assez facile, ils indiquent tout. Le moindre indice au sol est bien marqué. Alors que dans Until Dawn, des fois fallait un peu. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Hey, vous allez bien? Je crois pas que ce soit humain. Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Max! Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Tu crois que c'est Monsieur Hackett? Je sais pas, je... Apporte des outils, on doit casser le cadenas. Hey, je suis là! On va vous sortir d'ici. Hey. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené là? Y'a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Quoi, si, là. Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. Y'avait quelqu'un tout à l'heure. Ok, ok, bon. Alors, je sais que le marteau fait du bruit. Je sais que les clés à molette, c'est mieux. Mais on n'a jamais vu... J'ai jamais essayé, en fait, de le faire avec le marteau. Allez, je vais prendre le marteau. Tu prends le marteau. T'es sûr? Ça va faire vachement de bruit. Oh putain. Ils savent déjà qu'on est là de toute façon, donc je pense pas que ça change grand chose, honnêtement. Et alors, quelqu'un est enfermé? D'aide. Ouais. T'as jamais vu Evil Dead, hein? Bonne référence pour Evil Dead, effectivement. Je serais capable de descendre, mais par contre, si j'entendrais... Vous êtes blessé? Voilà. Vous une existez? Roue de vélo tournée et un... des bruits comme ça, là, j'avoue que je sortirais assez vite. Quoi. Fais attention. Je pense. Surtout si personne répond, quoi. Encore Max, voilà, qui bandouille, qui laisse sa meuf. Je regarde un peu, c'est tout. Ça m'énerve, ça.
Collier ensanglanté. Prologue sous-sol du chalet. Ce collier ensanglanté semble trop grand pour un chien. Qui appellerait son chien Yann en plus? Alors Yann, c'est un prénom américain ou anglais. Surtout américain d'ailleurs. Donc j'imagine déjà que ce sont des créatures, c'est des humains qui doivent se transformer en créatures. Et des personnes, des paysans, ce qu'on dit en anglais, on appelle ça des hillbillies, sont sûrement arrivent sûrement à les dompter et à leur mettre des colliers pour se rappeler leur nom. Un truc de genre. Et ces trucs-là bouffent des humains. Oh putain. Max ? Alors ça, c'est un petit défaut qu'il y avait un peu aussi dans Until Dawn. Pardon, moi je m'épose, tu es, mais... Elle voit la carcasse d'un mec décomposé et tout ce qu'elle dit, c'est Max. Je sais pas, tu pourrais dire... Et gros, il y a une carcasse par terre décomposée. En plus, même moi, je suis pris ma race. C'est des petits trucs comme ça qui... Supermassive est génial. Ils sont très très doués. Les visages sont magnifiques. La mocap est géniale. Alors, il y a quelques petits défauts. Évidemment, l'idéal, c'est de le faire en anglais, mais je préfère le faire en français pour le stream. Parce que la synchronisation labiale n'est pas aussi bonne en français. Il y a aussi un autre petit défaut, c'est les yeux. Alors les yeux sont très bien faits, mais ils n'arrivent pas encore à capturer, parce que souvent les scènes, quand les acteurs filment des scènes, des fois ils ne sont pas ensemble. Et donc la hauteur des yeux souvent n'est pas bonne par rapport à quand ils parlent à d'autres acteurs. J'ai vu ça déjà dans quelques reviews. Alors ce qui est bien, c'est que comparé à Until Dawn, on a une map et on peut savoir où sont les persos à tout moment. Donc là, le chalet est le cœur du camp de vacances de Hackett's Quarry. C'est ici que les campeurs et campeuses se réunissent pour manger, suivre des cours et s'adonner aux activités d'intérieur. C'est également là que se trouve l'infirmerie dans l'éventualité de petits bobos. Ouais, ou bien pire. Espèce de chien qui nous surveille. Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Eh ? Juste un rongeur. La nuit a été longue, ok ? Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure. Imagine la taille du rongeur. On pourra tout fouiller tranquille. Mais... Qui bouffe une carcasse comme ça ? Moi, je le suis. Notre imagination. Max ? Bye, Max. Max ! C'est du sang. Aide-moi. Non, il est contaminé. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu me perds beaucoup de sang, en vrai. Pour un prologue, ce que j'aurais bien aimé, c'est que ça puisse arriver à Laura, en fait. Que Laura puisse se faire infecter. Bon, j'ai déjà pas choisi une fois dans le prologue et il se passe rien de... C'est un petit peu différent de ce qui va se passer là, mais pas de beaucoup. Chemin choisi. Donc ça veut dire qu'on a fait un choix assez important. Pas forcément mortel, hein, mais un choix qui sera important pour la suite. Et voilà. Et le prologue s'arrête là. On va voir la ligne, on va arrêter. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger ? Ed Rémy est génial comme acteur, putain. Alors même en mode streamer, parce que là on est en mode streamer, les musiques sont géniales, elles collent très très bien je trouve. Alors en mode non streamer, l'intro change, par exemple c'est du Ariana Grande, et à la place de celle-ci c'est Fly Me to the Moon, qui est une assez vieille chanson.
Et en fait, toutes les chansons ont un rapport avec la lune. Et qui dit lune, je vais pas spoiler, mais vous connaissez un peu au classique en horreur. Le collier ensanglanté. Moi, je vais dire ce que je pense. Après, c'est pas sûr. Hein. C'est vraiment ma théorie. Je pense que ce qui se base toujours sur une légende, je pense que c'est une légende qui parle de loup-garou cette fois-ci. Dans Hunted Down, c'était génial. C'était le Wendigo, qui était une vraie légende indienne sur le cannibalisme. Alors là, je découvre. Ça, je l'ai jamais vu. Je me ferme ma gueule. Bonsoir à vous. Bienvenue chez moi. Faites comme chez vous. Allez-y. Je vous attendais. J'attendais, oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide. Dans l'inconnu, c'est fascinant, oui. Et terrifiant. Mais avec du courage et bien sûr votre autorisation, je vous aiderai. Nous nous entraiderons. La carte que vous avez trouvée. Le fou. Je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. L'innocence et la liberté, ou l'irrationalité et les risques, la spontanéité, les actes irréfléchis et toutes les conséquences qui en découlent. Oui, cherchez et vous ne vous brûlerez pas. Je peux vous en montrer plus si vous le souhaitez. Voici ce qui pourrait arriver. Un futur plausible. Un chemin à tracer. Regardez, regardez. Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous, si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Sympa, la petite cabane à la vieille, en petite grotte, on va dire. Bien joué, bon doublage. Squarry déchire tout. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo? Une vraie romantipocalypse. Ouais, mais c'est juste des gamins. Je crois qu'ils s'en remettront. Comme tu te remettras d'Emma. Hein? Mais non, c'est pas la même chose.
Ah, c'est pas pour ça que t'es énervé? Je suis pas énervé. Je vais te dire, c'était notre dernière nuit ensemble, et ça va. Mais oui, ça te dérange pas de plus revoir ton petit nounours qui te fait des câlinos. Oh putain, t'as entendu? Tu veux rire? Les murs du cabanon font toujours des bruits chelous. Ok, j'ai compris. Arrête, lâche-moi. Salut Emma. Salut. Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Deux petites secondes, je règle un truc. Hein. Oh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis pas d'humeur, là. Qu'est-ce qui a tué les chevreuils ? Donc il y a eu plus de chevreuils morts pendant la... il y a eu plus de pardon de cerfs morts depuis la saison de la chasse. Et donc la chasse a été interdite. Un avis indiquant que la population locale de cerfs diminue depuis plusieurs années, la saison de la chasse est suspendue jusqu'à ce que leur nombre commence à augmenter. Et un autre truc que j'ai vu aussi, c'est que le tarot. Ah oui, il nous montre une image de ce que la voyante nous a montré, donc c'est le van qui va en feu. Là, on peut revoir la vision, comme sur... Ah donc, si. Ouais, il y a un truc qu'il faut pas toucher sur le... au moteur pour pas que ça crame, en fait, je pense. J'accélère, voilà. Ah, désolé, mais moi j'aime bien explorer. Ah, oh, bah, toujours explorer. Ah, donc lui qui fait ma. Vous voyez, hein, comme quoi, parce que les gens me disent, ouais, tu prends trop de temps à faire le jeu et tout, ouais, mais au moins tu trouves des trucs, quoi. Et là, c'était un truc important, apparemment. Et voilà, encore. Ah, merde ! Espèce de putain d'araignée de merde !
dans leur jeu, ils aiment pas qu'on... Ouais, vas-y, casse-toi. Qu'on nique la nature. Donc, ça te revient dans la gueule si t'écrases... Dans Until Dawn, si tu massacrais un oiseau, ou que tu lançais une boule de neige à un oiseau ou quoi, t'avais des trucs qui t'attaquaient et tout. Bah, ça pourrait être fun, remarque, mais j'avoue, je préfère essayer de le faire correctement et qu'on n'ait pas de mort, quoi. Bon, on fait bien d'explorer. Il y a un cum qui est tout seul, non ? Eh, qu'est-ce que t'écoutes ? Intéressant. Bon, eux deux, ils ont pas l'air super potes, on va dire. Comptez m'aider avec les sacs ou pas? Ah, en fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas, c'est... Il me reste des sacs je à descendre, ce sérieux. C'est pas de ma faute. Dylan, arrête. Désolé. Cool, merci les gars. Est-ce qu'ils auraient pas mis une amourette gay dans le jeu? Je sais pas. Jacques Ducamp. Le camp de vacances de Catscoy a été fondé en 1953. Et le succès est toujours au rendez-vous depuis près de 70 ans. Donc là, les vacances sont finies. Ces derniers jours, les enfants ont dû partir. Le prologue s'est passé en fait la veille. La veille des vacances de l'été, quoi. Et là, en fait, c'est la fin de l'été. C'est le dernier jour où les moniteurs restent encore une soirée pour le délire, quoi. Cool. Oh, il y a des effets de lumière assez chelous, là. L'horreur. Je déteste l'horreur. J'adore. Merde, on peut pas voir le titre du truc. Ah si, attends. Afficher le texte. Livre de la bibliothèque. Nuit mortelle, quand on veut. Aux armes, histoire à dormir debout. Lettres de sang, ont des émissions. Ont des réceptions. Un été sanglant. Comment je change de page ? Ah, page suivante. Ah, merde. Un après-midi mortel, le pensionnaire, la foi de l'angoisse, la volonté de la mort, honneur de Norfim, monstre assassin, abstiens-toi, histoire de mort, autopsie, témoin gênant. Ah, mais il y a des vrais livres dans l'histoire, là. Alors, quand c'est des plans serrés comme ça, des fois, c'est pas évident de bien fouiller la pièce. Je peux pas vraiment bouger la caméra en plus. Putain, la meuf a de m'attendre pour les sacs.
La tempérance, l'équilibre, la modération dans la consommation ou l'excès, la fougue. La tempérance est un choix, mais souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte la gratification à terme. Contrairement à Until Dawn, en fait, les visions, les totems qu'on avait dans Until Dawn, on ne peut pas avoir tout de suite la vision. Il faut atteindre la fin du chapitre pour que la voyante par rapport, nous propose de regarder normalement une carte de tarot parmi celles qu'on a ramassées. Et apparemment, on peut avoir plusieurs visions selon la partie qu'on fait avec la même carte de tarot, d'après ce que j'ai lu en ligne. Hier, je me suis amusé à lire pas mal de... Bah, les reviews, quoi, américaines, les notes. J'aimerais pas être coincé ici. Il y a de l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool. Ah. Ouh! Ah, et putain, il devrait réagir le cam, il y a du sang par terre et tout. C'est clairement du sang. Hein. On va ressortir par là. Ah, je crois que c'était énorme. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et t'as fait ça tout seul, hein? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine, t'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Ah, ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? Ah, d'accord. Alors maintenant, oh, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein? Et dis pas la voix, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh. Pardon, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi... Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Ah, sexy, hein? C'est le plus beau gosse du camp. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan, moi bien sûr, puis Dylan, Emma, Abby, okay. Nick, ensuite Monsieur H et... Ok, c'est bon, tu veux bien abréger? Merci. Ouais, c'est tout, tout le monde y est. Alors elle t'a juste largué comme ça? Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, blablabla. Bla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle m'a fait genre, Jacob. Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Alors, dans Until Dawn, on avait Emily qui était vraiment la meuf la plus... Bon, elle était très maligne. Merde. Elle était super maligne, mais elle était vraiment énervante, exaspérante. C'était une horreur. Et là, on a une Amy, donc, dont il est amoureux. Lui, c'est Jacob. Par contre, je connais pas le nom de l'autre meuf. Je pensais qu'ils étaient ensemble, en fait. Peut-être que ça me plaît. Ce n'est qu'une amourette. Non mais franchement, sérieux, elle a pas tort, à vous. C'était juste une aventure pendant les vacances. Qu'est-ce que j'aurais pu espérer de plus? Voyons...
Amour, stabilité, engagement, mariage, maison, enfant, maîtresse, enfant, divorce, solitude, droit de visite, pension alimentaire. Réconciliation surprise, maison vide, retraite, petit-fils, petite-fille, petit-fils, maison de retraite, et pour finir, mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterré côte à côte comme ces squelettes vieux de 1000 ans qu'on a retrouvés à Rome. Je suis pas trop loin de compte. Oh merde, désolé, c'était Ryan et moi. Laisse-moi voir. Ah, j'ai trouvé. Toi, ça dit juste plan cul. En fait, c'est juste une liste générique pour tous les mecs. Ouais, c'est pas faux. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un œil, il y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hey, ce qui ne te tue pas te rend plus bof, fort. Bof, regarde, toi je t'ai pas tué, encore. Mais t'es toujours aussi nul. Hey, lâche-moi. Ok, donc... c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que, même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. Ouais. Je sais. On verra bien ce que ça donne. Ah putain, on a vu la vidéo. Alors, la prédiction, ça se passait quand il y avait l'espèce de shérif avec eux, là. Dewey, de Scream. Ce qui m'embête, c'est que si je prends le doigt d'allumeur, si je coupe l'arrivée de carburant, j'ai peur que ça prenne feu. Et le feu partait du côté gauche de l'écran, de mémoire. Mais si je prends le doigt d'allumeur et qu'il crève assez vite dans l'histoire... on aura peut-être du mal à le retrouver. Mais je pense que je vais plutôt prendre le doigt d'allumeur. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse choisir de rien prendre aussi. Au passage. Tu viens avec moi, mon pote. Je te remets à ta place demain. Ni vu ni connu. Hé hey les gars, là-haut! On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, hey, Jacob! Non, 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 mec! Non, non, fais pas ça! Passe longue! Oh! Nick! Boum! Oh. Oh! Allez! La classe, bien joué! Taré! Oh. Hé, hey, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entouré de taré. Oh, enfin! Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim! Ok, mais moi au moins, j'ai eu une relation amoureuse cet été. Oh, waouh, quelle répartie! Ouais, ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'un soir. Ok, ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir? Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver.
vieux hibou. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, en haut. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Oh, fais chier. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir. Salut Toucablum, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Ok, je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ces bois? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Deux. Trois. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûre qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ok, bon, je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Oh, c'est la peluche d'Izzy. Je veux jouer à un jeu! Mais attends, cette voix-là, c'était la plus sérieuse. C'est qui Izzy par contre? Je me rappelle pas qu'il y a un perso qui s'appelle Izzy. Ah, ça devait être un gamin, je suis con. Je vais la garder peut-être. De toute façon, on est rentré par la fraction. On va te ramener à Izzy. Un article sur ce lieu paumé? Une coupure du journal local, le Northfield Gazette. Un appel à récente, une histoire d'incendie. Est-ce que ça s'est passé ici à Quatscary? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que sur pas mal d'indices, il y a ces points d'interrogation là. Et je pense que c'est pour la rejouabilité en fait. Je suis même quasiment sûr.
J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. Alors, je me fais chier à tourner la caméra à explorer parce que dans les jeux Dark Picture Anthology, dans Little Hope et surtout House of Ashes, tu peux découvrir des trucs supplémentaires quand tu observes comme ça un truc en tournant la caméra, quoi. Ouais, là, vraiment les cheveux rouges. Ah bon, ça lui va bien, au moins. Ok, donc là on voit bien la carrière. Aquatic Quarry, quarry en anglais c'est une carrière. Donc là on voit bien que c'est du calcaire quoi. Je me disais, il n'y a pas de carrière dans le jeu, on dirait pas, mais en fait si. Hey, arrête ça! Ça va me faire bizarre de pas être réveillée par les annonces de Dylan. Ok, donc il y a une radio un peu comme dans Until Dawn. Pour des secours au cas où, peut-être. Mais je vois pas de haut-parleur sur des poteaux ou quoi. Pour le moment, en tout cas. Ça m'étonnerait que toutes les autres baraques soient occupées en... La caisse est ouverte, je veux dire. Je pense vraiment pas. Après, s'il y en a une qui sort du lot, peut-être que j'irai voir, mais... Même s'il s'agit d'un panneau fantasy, il est un peu effrayant de constater à quel point Aquatic Quarry est loin de tout. Ouais, c'est bizarre qu'en France on n'ait pas ça, parce que dans plein de pays anglophones, ça existe ça, en Irlande, en Angleterre. Même dans des petits villages, t'as ce genre de trucs.
Avec les kilomètres même. Genre Amsterdam, 2400 kilomètres. Alors, preuve. Tout le monde aime la chasse au trésor. Et à Ketsquari, c'est vrai aussi. Ces bois recèlent des secrets très amusants qui, si vous les découvrez, pourraient vous éviter des ennuis avec la justice. Mais après tout, les histoires que vous allez vivre ne sont que des histoires sans preuve pour les étayer. Alors plongez au cœur du mystère, prenez des photos ou trouvez des pièces à conviction. Et vous prouverez peut-être votre innocence. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Ketsquari. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention, à Ketsquari peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Pour l'instant, étant fan hein, des jeux Dark Pictures, et puis surtout d'Until Dawn... J'espère que Jacob n'a rien vu. Bon, je terminerai après. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? C'est à Dylan. Fiole vide. Ça va être du Poppers. Jacob plus Emma, Forever. Summer. Ah oui, For Summer. Ah ouais, Emma a corrigé en mettant... Non, c'est pas pour éternellement, c'est juste pour cet été, quoi. Ouais, donc en fait, faut qu'il se trouve quelqu'un d'autre, Jacob. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que comparé à Until Dawn, où les QTE fallait être quand même assez rapide, quoi. Il y en avait vraiment beaucoup, pas mal, quoi, en tout cas. Surtout avec Mike. Et si tu étais trop lent et que tu mettais trop de temps à réfléchir, tu perdais une des meufs, quoi. Et là, dans celui-là, j'ai vraiment l'impression que les QTE sont super faciles. Mais ce qui est vraiment dommage, je pense qu'ils vont le mettre après, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas un mode façon... On va dire pour ceux qui sont habitués des QTE, quoi, parce que moi, depuis Shenmue, les QTE, je connais plutôt bien, et ce Until Dawn m'allait très bien, quoi. Après, je comprends qu'il y a des gens, bon, c'est bien qu'ils mettent plusieurs niveaux d'accessibilité et tout, ça c'est top, mais faut pas oublier aussi les joueurs qui sont habitués, on va dire. Et là, c'est un petit peu le cas sur ce point-là, on va dire. Mais bon, franchement, il est vraiment... il pète, hein. Alors après, il y a la compression Twitch et tout. Mais franchement, en vrai, en 4K, 60 images par seconde, comme ça... alors, on peut le mettre à 30 images par seconde, mais je sais pas, moi, je préfère qu'il soit à 60. J'ai pas mis le code pour les filtres horreur, gore et tout. Comme j'ai pris en démat, j'ai pris la version de luxe, donc il y a déjà tous les bonus qui seront débloqués à minuit. Donc là, on pourra tester ça à ce moment-là. Là. Donc, avant d'aller voir l'autre pouf, là, d'Emma, juste voir un peu là. Bah tiens, j'ai bien fait. Leaderborn, Shooting Stars. Je crois pas que Kathleen ait quitté la première place de tout l'été. Ah, ok. Donc, il y a un stand de tir. Donc, Kathleen est la meilleure. Jaden, second. Ah, c'est marrant, il y a des noms.
de personnages qu'on joue pas, comme Idris, Kristen. Apparemment, il y a que 9. Bon, il y a que 9, non, c'est déjà beaucoup. Il y a 9 personnages jouables. Peut-être qu'il y en a plus en fait. Hein, parce que là, il y a des noms que je suis sûr qu'ils sont. En tout cas, ils sont pas au début du jeu, quoi. Voilà, on accélère, on va voir Emma. Je n'aime pas trop Emma, je sais pas pourquoi. Je la sens pas trop. J'aime bien Kathleen, j'aime bien elle. Mais alors l'autre là. Prête à y aller ? Perplexe. Allez. Allons-y. Allez, faire plaisir. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si rayonnante, agaçante, sûre de toi ? Oh, c'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir qui tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essayes pas vraiment. Alors, comment je fais pour jouer en avance ? Je t'expliquerai parce que... Ça fait une semaine, en fait, qu'on peut jouer en avance sur Series S et Series X. Ok, grâce donc, à hypothétiquement, un petit bug, mais je t'expliquerai après. Ma personne. Et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob ? En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. Bah, étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça ? T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Yes ! Ok, c'est quoi le triomphe ? 2 mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, bah pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Oh, comment ils ont pu survivre 2 longs mois sans toi ? Au cas où tu le saurais pas, j'ai une base d'abonnés qui sont très fidèles et très motivés. Je leur fournis des conseils de vie et de scolarité essentiels sous la forme de monologues filmés hilarants et captivants. Ils ont besoin de moi. Oh, mais c'est clair, t'es une vraie star. Bah, grave. Non, mais je suis sûre qu'ils seront super contents que tu reviennes. Mon coin préféré ? Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? C'est de la fumée ? On le signale aux autres ? Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, oh ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi. Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Mm-hmm. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend ? Les autres, tous, pareil. Alors juste pour te répondre, en fait, il y a eu un petit bug sur le store Xbox et un YouTuber américain avec qui je papote parce qu'il est très fan de Supermassive a sorti une vidéo en fait en disant qu'il y avait un essai gratuit, un peu façon EA Play, tu sais, où tu as 10 heures gratuits.
Et il est apparu il y a une semaine à peu près déjà sur le store Xbox, mais il est resté que une dizaine d'heures, une douzaine d'heures. J'avais dit sur mon Twitter, hein, mais après je suis pas quelqu'un de connu, donc j'ai pas 50 000 followers. Hein. Mais j'avais prévenu le maximum de monde, j'avais dit sauter dessus, parce que même si tu l'avais pas précommandé, tu pouvais le télécharger. Alors par contre, c'est pas une démo, hein. Tu télécharges le jeu entier. Et tu avais accès au prologue. Hein. Et le mode cinéma, le mode coop était verrouillé. Et ce qui est marrant, c'est que justement, j'ai pas mal parlé avec ce cam sur YouTube. Il s'appelle The Hidden Object Guru. Et je lui ai dit que j'avais réussi en fait, en mettant le jeu hors ligne, tu lances la démo et tu coupes ta connexion. Tu vas dans paramètres, tu coupes ta connexion Xbox. Et ben en fait, ça te donne accès au mode coop et au mode réalisateur et au mode cinéma où tout le monde meurt et tout. Mais le problème, c'est que quoi que j'essayais, alors ça marchait, mais le problème, c'est que tout à chaque fois, ça se terminait quand même à la fin du prologue. Là, c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, même si j'ai déjà précommandé et qu'à minuit, ma précommande se débloque. Je suis passé vite fait au Leclerc à côté de chez moi et j'ai chopé. Voilà. J'ai chopé la version PS5, la version Series X. Comme ça, j'ai serré les deux. Il n'y a pas de différence, hein, honnêtement. Mais bon, je suis tellement fan que je suis prêt à payer un jeu 4 fois si c'est pour supporter le développeur, quoi. Je suis un peu taré de ce côté-là. Voilà. Allez, on reprend. Alors, malheureusement, par contre, ça a été l'essai gratuit dont je te parle. Ça a été retiré du store depuis un bon moment. Ça fait au moins une semaine, donc maintenant il faut attendre minuit ce soir pour pouvoir le commencer. Quoi. Oh, fais chier. bolos. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Burke. Hey Nick! Hey, où vous étiez? Oh, t'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends. Don, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule, merci. T'es sûre? Parce que moi, ça me dérange Elle pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Oh, Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Merci. Il va falloir que je retienne les relations, parce que j'ai tendance à un peu trop regarder le chat. Désolé, j'ai pas trop regardé le chat, parce que autrement, je vais rien comprendre aux relations. Il doit être dans son coin, en train de brouiller, hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi? Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett's Quarry. Hein? De quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est qui, la folle de Hackett's Quarry? Tu connais pas la folle de Hackett's Quarry? Sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett's Quarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett's Quarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett's Quarry? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui
est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois, à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett's Quarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés, sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec, c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le compte ici. Excellent. Pardon, monsieur H, on a dû libérer nos bagages. La ferme ! Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett's Quarry. C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hey, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Je trouve ça super chelou qu'il l'appelle Monsieur H. Alors soit c'est un surnom, et ils connaissent son vrai nom, soit on va découvrir plus tard qu'il est mêlé à tout ça. En fait, bizarrement, j'ai plus confiance au flic chelou du prologue qui a du sang dans le cou, là, et tout. Parce que je sais que Supermassive a tendance à nous mettre des bâtons dans les roues en nous faisant croire qu'un tel est méchant alors qu'en fait il est sympa. Lui, par contre, honnêtement, je le sens pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je suis sûr que le flic est gentil. Ça, vraiment, je parie tout ce que j'ai, quoi. Cool, ok. Pas de soucis. Tant mieux. T'inquiète, je te filerai un écouteur. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré au moins. Non, c'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô ? Ah, je vais écouter, moi, ouais, espionner. Quoi ? Parce qu'ils sont jeunes. Je peux pas trop les pousser, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. Non, je devrais ? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, je m'en doutais. Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref,
Qu'est-ce que tu me disais? Oh, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Amen. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez un rancard ce soir? Bon sang. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres? Que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux. Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok? C'est quoi? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Ok, donc il s'appelle Chris. Ah, ça que je comprends pas. Il a parlé avec des gens au téléphone en me disant « Il faut que je ramène ces morveux, sinon la nuit, ça va mal se passer et tout. » Donc, je me demande qui est le vrai danger. Je pense qu'il doit y avoir deux dangers dans le jeu. Il doit y avoir quelques humains qui doivent être vraiment dangereux, mais pas tous, je pense. Et forcément... créature quelconque, plusieurs, voire même. Pourquoi? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Pardon, il y a mon robot qui se met en route. Inspirateur, je sais pas pourquoi. Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi? Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kylie... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirai que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Oh. Allez, en route. Bon, allez, il faudrait qu'on évite de brûler le van. Pour essayer de le reconstruire, pour avoir la fin spéciale, j'aimerais bien trouver des morceaux de van pour voir si cette putain de fin existe, parce que les développeurs ont teasé ça et ça m'intrigue vraiment si c'est... Surtout j'espère que c'est vrai, que c'est partir, pas un mytho, quoi. Et pas d'excuses. Hey, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Patate. Mon Dieu. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route.
C'est quoi le problème? Ah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Non mais c'est, il est mort. C'est le mec qui est au volant qui a enlevé une pièce du van. Tu me cherches? Il l'a fait exprès. Arrêtez tous les deux. Pour ceux qui arrivent un peu tard. Hein. Allez, hey, mais allez. Doucement. Hey, stop. Hey, putain. Bon sang. Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a fait. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe? Bon sang. Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On n'a qu'à passer la nuit ici? Non! 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 Arrête! Je réfléchis. Ah! Ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi? Ouais, c'est vrai. Bah, les QTS sont vraiment trop faciles. Viens ici une seconde. C'est dommage. J'ai regardé dans les paramètres, il n'y a pas moyen. C'est par défaut ou super facile, quoi. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort. Personne, compris? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre? Non. Attendez, faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin? Pourquoi? Vous allez où? Ryan, il faut que tu me fasses confiance. Comme je te fais confiance. Tu peux faire ça? Ferme les portes! Et par pitié, ne faites pas de bruit! Bon... Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma... C'est une putain de blague! On est censé faire quoi? Ben. Ah, c'est sur l'autre van, effectivement, qu'il a enlevé le. Jusqu'à que Jacob a enlevé la pièce, pas sur celui-là, avec lequel il est parti. C'est l'autre. On pourrait faire complètement autre chose. Qu'est-ce que t'entends par là? Pas de monsieur Hackett, pas de gamin qui crie. Juste un groupe d'adultes responsables, prêts à se lâcher et à... Chris, c'est de la famille Hackett, ok. Ah, mais grave! On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Ah, c'est là que tu vas partir en couille, je pense. Oh, mec! Mais grave, je marche. Nick, tu suis? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma? T'en dis quoi? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur? Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Ouais, mec, mais... il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir papa,